Bonjour. Ok. Allez, bonsoir à tous. On est un petit peu en avance, hein, comme d'habitude, on vous attend avant de commencer les exos, avant de commencer vraiment le live. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bonjour les amis. Salut Christelle. Salut Mylène. Salut Laura. Salut mamie Jojo. Aline, salut Laura. Hélène, bonjour. Coucou Laura. Bon, on espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes chaud pour attaquer ce soir avec nous pour le cours de Tabata. Alors, il va y avoir beaucoup d'exos, beaucoup de cardio. J'espère que vous êtes chaud. Hello Véro. Véro, tu as vraiment fait le live de jeudi dernier? J'ai pas eu de retour de ta part. Hein. Bon, alors pour ce soir, il nous faudra juste bouteille d'eau, le tapis et beaucoup d'énergie. Hein. Prenez de la place chez vous comme d'habitude. On attend encore un petit peu qu'il y ait plus de monde qui nous rejoigne avant de commencer le cours. Mettez un petit commentaire, salut Maxou. Mettez un petit commentaire si vous êtes en forme aujourd'hui. On veut que vous soyez en forme. On veut que vous mettiez un maximum d'énergie dans ce petit training. Petit et gentil. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas ou ceux qui nous rejoignent pour la première fois, c'est possible. Hein. Donc on s'appelle Mehdi et Léla. Et ce soir, on part pour un cours de 45 minutes de Tabata. Donc le Tabata, on part sur plusieurs exercices. À chaque fois par exercice, on passera 4 minutes dessus. Coucou les coachs et rookies. Il est où? Il est passé au départ. Donc du coup, à chaque fois, 4 minutes par exercice, 20 secondes à fond, 10 secondes de récup. On fait ça 8 fois. Ok? J'espère que vous êtes prêts pour cette séance. On est bon? Bonjour tout le monde. Bonjour. Et coucou. J'espère que vous êtes en forme. Vous êtes prêts? On se met en place. La bouteille d'eau, le tapis, de l'espace, c'est vous. Allez, c'est parti, on commence pour l'échauffement. Allez, motivation du lundi soir. Hein. On vous attend nombreux dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo une fois que celle-ci est finie. Et à refaire la séance si vous avez pris un petit peu en différé. Hein. Pour l'instant, on débute. Allez, les amis, on va commencer un tout petit squat, minuscule amplitude. On y va. Bas, haut, bas et haut. Encore. Hop, hop. Toute petite amplitude, très important. C'est juste pour faire chauffer. À ça, on va venir ajouter un petit genou. On y va. Bas, genou, bas. Et genou, encore, bas, genou, bas, et genou, toujours. Oui, c'est ça, Rookie, continue comme ça. Allez, encore, hop, hop, on change avec les talons-fesses. Bas, talons-fesses, bas, talons-fesses, hop, hop. Et sortez la poitrine là, hop. Allez, encore. On reste en squat, on descend en plus, et bas, oh, bas. Encore, hop, hop. Voilà, parfait les amis. Petit lundi, petit tabata, tu as tout compris. En 3, 1, 2, 3, et tu pousses. 1, 2, 3, tu pousses, tu serres les fessiers au maximum. Encore. En 4 temps les amis, et 1, 2, 3, 4. Je remontais 1. 2, 3 et 4. Encore, il en reste un dernier. Je remonte. Je reste fixe sur une jambe. L'autre côté, pointe de pied. Côté, centre. Côté, centre. Encore. Attention les amis, on reste bien fléchi sur cette jambe. Je suis fléchi. Attention, on va accélérer. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Et hop, encore. Hop. Hop, toujours, ça va déjà commencer à brûler. Oui, oui, oui. Est-ce que ça brûle chez vous? On vient chercher derrière tout petit. Hop, reviens. Hop, et reviens encore. Hop, reviens. Hop, et reviens toujours. Allez, bonjour à tous ceux qui arrivent. C'est pas trop tard, on est que dans l'échauffement. Comme tout à l'heure, on accélère, c'est parti. Hop, 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 et hop, encore. Hop, hop. Allez, ça doit commencer déjà à brûler. Bonjour à tous, salut mon Cyrilou. Encore. On change de côté, on refait exactement la même chose. C'est terminé. Hop, hop, hop.
encore, on s'accroche. Comme tout à l'heure, on va venir accélérer. Attention, dans 4, 3, 2, 1, hop. Voilà, on accélère, encore, encore, on commence à se mettre dedans, hein. On va passer derrière Coucou Lulu et Marie-Cécile, vous encourage, on vous fait des bisous, on passe derrière. Tranquillement, pour l'instant, derrière, il va vous rester plus qu'un petit bloc d'échauffement. L'échauffement a été vraiment difficile sur les cuisses. Attention, on va venir accélérer, on s'accroche. 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on pause, on souffle. Premier exercice avec madame. Elle vous montre. Et on démarre. Bon courage à tous. Soyez forts. Donc vous êtes prêts. On y va. Premier exercice. Donc c'est 8 fois 20 secondes à fond. 10 secondes de récup entre chaque tour. Vous vous souvenez, nous on alterne. Il y en a un qui décrit l'exercice et l'autre qui se bouge comme vous à la maison. Hein. On n'est pas dans le canapé. On est bien debout. Prêt à bosser. Ready. Le haut du corps. Oui, je suis prête. Hydratez-vous un petit peu avant de commencer, hein, si vous le souhaitez. J'ai déjà mal aux cuisses. C'est quand il peut, hein. Vous êtes prêts pour 20 secondes, c'est rapide, hein. Et c'est parti, les amis. Notre premier exercice, on fera la marche du canard. 4 pas. Et je viens faire un jump, je viens m'élancer, je viens chercher la plus grande extension possible. Les personnes qui ne peuvent pas sauter, on fera 2 montées de genoux. Voilà, et on repart. Parfait. 10 secondes de récup. Essayez de descendre bien bas sur celui-ci. Nous aussi, Christelle, on est content de te voir. On espère que tu participes. Hein. Allez, bien bas. Quand on recule, on est pieds à plat à chaque fois, hein, sur la marche. Soyez souple sur la retombée. Hein. Stop. Parfait. Continuez de regarder droit devant vous. Allez, ne lâchez pas. Et voilà, excellent. Sylvie. Je veux que vous fassiez des trous dans votre toit. Hein. Allez, poussez fort sur les cuisses, c'est parti. Petit exercice qui vient charger les cuisses et là on lâche tout. Voilà, on charge et on pousse. Maximum de poids sur les talons les amis, on vient pousser fort, fort, fort. Faites-moi une belle extension. Allez, encore, encore. Allez, accrochez-vous. Excellent. Relâchez, hein. Détendez les jambes à chaque fois. C'est qui le petit sumo? C'est Machine. Ouais. Allez, vous faites des grands pas vers l'avant. Hein. J'espère que vous avez pris de la place chez vous. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à refaire cette séance dès qu'elle sera terminée et publiée sur la page. Et on est déjà à la moitié du premier exo. Pas fini, hein. Salut Sylvie, j'espère que tu vas bien. Des petits cœurs, autant de petits cœurs, c'est sympa ça. Hein, ah, on aime les personnes qui nous suivent. Oh, ça accélère avec les dents. Ouh, loulou, là on n'est plus du tout sur de l'échauffement. Aïe, aïe, aïe. Ah, Cyril a dit que c'est la position. Ah. Ou alors pose caca. Alors bravo. Toujours distingué, hein. Allez, cinquième validé, hein. Gardez le rythme. Super, allez chercher bien bas. Et des grands pas devant, grands pas derrière, hein. Ok Sylvie, super, si tu peux continuer à faire de la Zumba, hein, l'essentiel c'est de trouver l'activité dans laquelle tu peux encore t'éclater. Hein. Les amis, mettez-moi dans les commentaires, est-ce que ça brûle vos petits cuisseaux? Ah, un passage de chat. Allez, encore accrochez-vous les amis, voilà. Allez, encore, encore. C'est très bien. Aïe, 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 ça accélère du côté des là. Voilà, on accélère encore, encore.
une dernière fois. Si, si, il est là, le petit chat. Allez, go, 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 c'est vos dernières secondes, hein. Jody, j'espère que tu es en tenue, hein. C'était prévu ce soir, hein. Tu devais être avec nous. Allez, je saute, encore. Super, Véro, si ça fume, hein. Pour ça qu'on est là, hein. Relâchez, on est OK pour le premier exercice. Aïe, aïe, aïe. Ça va les cuisses? C'est ce que j'avais demandé, comment va les cuisses? Comment vont les cuisses? On prend le tapis pour le deuxième exercice. Hydratez-vous un petit peu. Ready? Voilà. Alors là, les amis, je viens rouler et je viens faire une petite pompe juste derrière. Voilà. Je roule la petite pompe. Voilà. Je déroule bien chaque vertèbre de la colonne vertébrale. Je prends une impulsion pour me redresser et une pompe. Excellent. Celui-là, il va faire moins mal, hein. Soufflez bien sur la montée quand on enroule, un travail des abdos. Et la pompe, toujours les deux options, sur les genoux ou sur les pointes de pied. Essayez d'enchaîner les deux mouvements. Une impulsion pour repasser sur les fesses et directement la pompe, parfait. Sur la pompe, on reste gainé, abdos serrés. Hein. Oui, oui, hydratez-vous. Hein. Voilà les amis, j'ai fait plusieurs options. La première option un petit peu plus tranquille, deuxième option avec l'impulsion. Allez, c'est parti. Voilà, comme les là, exactement. On est sur une petite partie du burpees. Hein. Hop, là voilà, il faut mettre du jus pour pouvoir se redresser. Hop, voilà. Excellent. Dites-moi que ça ressemble à quelque chose chez vous, hein. Non, j'ai pas triché. Go, on y retourne. Allez, choisissez votre option sur celui-ci. Un petit peu technique, hein. Essayez de vous redresser quand même, on reste pas sur les fesses. Ne me faites pas un dérapage comme celui-ci, hein. Et on est déjà à la moitié. Une nouvelle petite glissade avec... Avec le tapis, on a l'habitude. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, on essaie de mettre du jus pour passer de la position sur le dos à sur le ventre. Ça ne ressemble à rien. Laura, je rêve que tu te prennes en vidéo pour nous montrer ça. Ah, excellent. Je suis d'accord, Laura. Je crois qu'on est tous un peu dans le même cas, vous inquiétez pas. Le tout, c'est que ça bosse les abdos quand vous remontez et que ça bosse les pecs sur la pompe. C'est ce qu'il y a de plus important. Hein. Hello, Mamat. Et soufflez, il nous reste deux sessions de 20 secondes. Excellent. Salut Mamat. Regarde-moi ce mur tout rouge, tout brillant, tout magnifique. Allez, on s'accroche, hein, sur la pompe les amis. Soit on choisit de faire une pompe avec les coudes qui viennent frôler les côtes, soit une pompe pec. La différence, elle est là. Excellent. Dernière fois, 20 secondes sur celui-ci. Ouh, soufflez, hein. Et go. Allez, c'est les dernières reps. Soufflez, soufflez, hein. Parce qu'il va pas nous laisser beaucoup de récup entre le 2 et le 3. Accrochez-vous. Et top, c'était les dernières secondes. Relâchez. All right. J'ai l'impression d'être une tortue sur la carapace. Je suis d'accord. C'est un peu ça. Flo Flo Desbois, on l'appelle Donatello dans le milieu. On
n'a plus besoin du tapis pour l'exo suivant. Allez, troisième exercice, on va combiner des exos que vous connaissez déjà, des ciseaux et des clics. Oh mon dieu! Allez! Allez, c'est parti! On part sur 5 ciseaux, un kick! Voilà, pour dire de changer de jambe. Voilà, excellent! Et là, c'est un exercice cardio, les amis. Il n'y a plus rien de musculaire. Allez, on remet du jus, on met du rythme. Allez, encore. On accélère. Et boum, le champ. Vous êtes prêts? Deuxième session. Allez, avancez vos épaules sur les ciseaux. Serrez les abdos. Et soufflez, hein. Et ouais, le retour du French cancan, t'as tout deviné, saut. Saut, tu bosses ou tu te reposes? Allez, on envoie, on envoie. Troisième session. Avancez les épaules. Hein. French cancan de retour. Salut, Soso. Allez, on accélère. Allez, encore, encore. Allez, du rythme, les amis, encore, encore, encore. Je bosse avec vous, j'espère. Allez, tout le monde, accélérez, accélérez. Vous êtes prêts? Après celui-là, on sera à la moitié. N'oubliez pas de souffler, hein, jamais d'apnée. Regardez droit devant vous comme si vous aviez une cible. Allez, on envoie encore, encore. Soyez rapides sur vos pointes de pied, sur les ciseaux. Boum. Et relâche. La, 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 la. Allez, tout le monde. Allez, la cadence, elle rigole pas, la petite, hein. Allez, pas là pour rien. Boum, 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 hop. Allez, encore, 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 encore. Allez, c'est très bien, encore. Est-ce que tout le monde est toujours chaud? Mettez-moi ça en commentaire. Allez. Et go. Allez, ne lâchez pas, hein. Gardez le même rythme. Ciseaux, ciseaux. Là, aujourd'hui, on ne vous embête pas avec le nombre de reps. Vous avez de la chance. Peut-être que ça changera au fil des exos. Hein. Allez, tout le monde, go, go, go. Bon, ça va, j'en ai toujours deux. Brigitte et Maxou sont là. Maxou. Ok, Brigitte, Maxou, c'est bien. Allez, il en reste deux. Allez, encore, encore, encore. Je veux du rythme. Plus vite! Allez! Allez encore tout le monde! C'est bien ça! Il vous reste 20 secondes les amis! Allez encore hein! Ah, Laura est toujours là aussi, super! Go! Allez, c'est les dernières 20 secondes hein! Ah, le pouce est pour moi, elle est là. Merci Brigitte, super, ça me fait plaisir. Allez, encore, encore. Jusqu'au bout, là, c'est la fin. Hein. Dernière seconde. Soufflez, 3, 2, 1, et relâchez. Ouf. On récupère. Le prochain, partez de chez vous. Aïe, aïe, aïe. Fuyez. Y a un mot... Le prochain va faire mal. Il y a un mot qu'on n'aime pas en général. C'est le burpees, ok? On va faire un petit jump de chaque côté à chaque fois. Un burpees ici et un burpees là. Donc si vous pouvez, ne prenez pas de tapis sur celui-ci. Et vous avez toujours l'option de demi-burpees. Hein. Ok? Hydratez-vous, on attaque le quatrième. Le cœur est prêt? Normalement oui, après tout ce qu'on lui a fait, suivi en déjà là. Ok? Un petit jump. Un burpees. Je fais l'option sans impact. Voilà, sans impact comme d'habitude. On vient poser une main.
une main, une jambe, voilà, avec impact, avec le petit jump. Voilà, excellent. Puis la tête, elle est là, je vais peut-être souffler un peu. Et go! Vous avez toujours l'option demi-burpees, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre la poitrine au sol. Allez, accrochez-vous, faites-moi un beau petit saut gauche-droite. Hein. Toujours souple sur les jambes. Soufflez sur la remontée du burpees. Et là, on rentre dans le dur. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ça va? Il y en a 8. Toujours en souplesse, Cyril, toujours. C'est pas que je vous parle plus, hein, c'est que je peux plus. Allez, encore. Voilà, c'est assez difficile comme exo, on essaie de garder un rythme. Et 10 secondes, vous avez le droit de rester au sol, hein, si vraiment. C'est dur, dur. Prêt? Allez, quatrième. Et n'oubliez pas de souffler, hein. Allez, le petit jump. N'oubliez pas qu'il y a des options si ça devient dur. Passez sur l'option inférieure. Le demi-burpees ou sans impact. À Véro, elle a quand même décidé de compter ses reps. 8 Véro, bien ça. Il reste 4 chances. 8, c'est excellent, Véronique. Allez, c'est parti, on essaye de battre 8. J'ai fait 8 juste avant. On a 6. On a 7. On est à 8. Bien joué. Ouh. Allez, essayez de battre Véro. Hein. Je fais 9. Go! Allez, de la dynamique sur celui-ci. Donnez-nous l'énergie que vous avez, hein. C'est moi ou on l'entend souffler plus fort que d'habitude. Allez, c'est pas fini. 8 Laura, parfait. Et relâchez. 10. Allez, allez, une chance. 10, les amis. Allez, on envoie. Par contre, je pourrais pas faire le prochain. Elle cherche à me battre, la petite. Ça se voit. Ah, je suis mort. Allez, j'ai terminé sur 9. Il nous reste une dernière chance. Coucou, 6, Brigitte, super. Première option. Allez, c'est votre dernière chance, hein. Accélérez. Encore, encore, je saute. Burpees, toujours. Vous savez qu'il y a de la récup après, ne nous lâchez pas. Et relâchez. Soufflez. On récupère. Mettez vos scores là-dessus. On a validé la moitié des exos, hein. C'est intéressant de voir un petit peu. Hydratez-vous. Combien vous avez fait? Buvez, hydratez-vous, c'est important. 6 pour Brigitte, excellent. Laura, 8, c'est pas mal, c'est bien. Et on reste debout pour la suite. Encore du cardio et encore du bas du corps. Des exos que vous connaissez. 10 une seule fois, super Laura. Ça fait comme Mehdi après KO, quoi. KO technique, je comprends. Et Max, pour les fils, vous en restez 50, je sais même pas de quoi ils parlent. Vous êtes prêts? Cinquième exo, hein. Alors, je viens faire deux jumping jacks, comme on les connaît. Et je viens venir toucher les mains au sol, ce qui me permet de faire un squat sur le squat, comme d'habitude. Hein. On va venir prendre une inspiration sur la descente. On va venir sortir les fessiers au maximum. Vivez les options 48 au moins.
Et go! Allez, là on est dynamique sur les bras, sur les jambes. Hein. Deux jumping et je touche le sol. Surtout, je descends les fesses. Hein. C'est pas les mains qui viennent toucher le sol, c'est vraiment la descente sur les fesses qui vous permet de faire le mouvement. Hein. Ici, vous gardez les pieds à plat. Hein. Là, à plat, comme sur le squat. Et relâchez. Allez, allez les amis, on s'accroche. Allez, encore. Ah, effectivement, Max, j'avais pas vu. Effectivement, mon ami. Et encore, il en reste 50. En décomptant, nos trois victoires. Allez. Hello Jean-Claude, coucou. On y va pour la quatrième fois. Toujours autant d'énergie. Allez chercher loin sur l'extérieur avec les pointes de pied. Et bien haut avec les bras au-dessus de la tête. Hein. Toujours deux jumping. Et en bas. Soufflez, soufflez. Hein. Abdos serrés sur les jumping. Et relâche. Aïe. Aïe. Mais à la moitié. Salut Jean-Claude. Belle fesse le Père Noël. Allez encore. Hop, voilà. Allez, on s'accroche les amis. Hein. On est pas mal, c'est bien. Allez, essayez de regarder droit devant vous quand vous descendez les fesses. Hein. Allez, on s'accroche tout le monde. Hein. Je sais pas lequel des deux est le Père Noël, j'ai un doute. Relâchez. Il n'en reste plus que deux. Vous êtes prêts? Toujours autant de tenues. Hein. Oh. Allez, c'est parti. 1, 2, squat. 1, 2, squat. Allez, c'est bien tout le monde, encore. 20 pour moi, 20 burpees, c'est ça Mathieu? Toi, tu dois encore un problème de connexion chez toi. Parce que si tu mets 20 burpees que maintenant, ça fait un moment. Allez, go, go, go. Hein. Vous savez pourquoi vous êtes ici, hein, pour tout donner, pour vous accrocher avec nous. On est là pour ça. Hein. Allez, encore, go, go, go. Et relâchez. On a validé 5 exos. Ça va toujours. Là, ça doit commencer à se colorer. On est un peu mouillé. Hein. Vous avez baissé le chauffage comme d'habitude. Vous pouvez prendre votre tapis pour le sixième exercice. Hydratez-vous. Est-ce que vous êtes ready? Non. Tapis pour le sixième. Juste pour mettre les mains dessus. Hein. Allez, c'est parti. Petit travail de gainage. Voilà. Je viens faire deux jacks, je viens me redresser. J'ai pas la fibre. Voilà, excellent. On vient se relever comme sur un burpees, hein, sur la deuxième variation. Il fait tellement chaud. C'est un plaisir pour nous de te donner aussi chaud. Moi aussi, je meurs de chaud, Laura. Vous pouvez également le faire sans impact. Hein. Celui-ci, vous avez l'habitude, on va chercher sur les côtés à chaque fois. On alterne les pointes de pied. Hein. Deuxième variation. Tape, tape. Deux fois de chaque côté. On ramène une jambe après l'autre. On éloigne, ok? Les poignets, les épaules restent toujours alignés et le regard en direction du sol. Soufflez un petit peu. Hein. Restez au sol. Allez, là, on va commencer à faire souffrir les épaules.
Béatrice, j'espère que tu nous as rejoint pour faire cette séance. Voilà, ou deux petits sauts de lapin, tac, deux talons-fesses. Allez, voilà, on essaie de mettre du rythme, excellent. Les petits sauts de lapin, ils donnent chaud. Allez, après celui-ci, on sera à la moitié. Hein. Gardez votre objectif en vue. On peut voir les petits sauts de lapin. C'est pas mal, hein? J'espère que chez vous, ça rend mieux que l'exercice qu'on a pu faire juste avant avec la pompe, hein? Restez gainés, hein? Les abdos sont serrés. Et relâchez. Laura, là, actuellement, il doit faire chaud dans tes épaules, hein? Voilà, c'est bien, encore. Allez, voilà, on essaie de mettre un petit peu plus de rythme. Allez, les amis, il ne reste plus grand-chose. Faites-moi un gif de la sortie. Vous êtes prêts pour le sixième tour? C'est maintenant, allez, dynamique sur les jambes, hein. Loin sur les côtés. Soufflez, hein, ne montez pas trop les fesses. On est aligné, hein. Les épaules, le bassin. Une belle planche. Encore. Et top, relâchez. Je crois qu'il a voulu faire la même sortie que moi. Il nous en reste plus que deux. La prochaine fois, je fais un salto. Allez, c'est parti. Je me demande si c'est un lapin ou un lièvre. Ou peut-être un petit singe, je sais pas. Notez-moi dans les commentaires ce que c'est, un lièvre, un singe. Il nous reste une dernière fois, les amis. Et go! Allez, avec toujours autant de dynamisme. La dernière session, hein. Encore, soufflez. Promis, après on n'est pas sur les épaules. Courage. Et top, relâchez. Je suis un lièvre pour Brigitte. Un petit lièvre. Tu trouves que ça ressemble plus à un petit lièvre qu'un petit singe? On a validé 6 exercices, tout le monde. Regardez, en plus on a un nez tout mou. Un lièvre, ça n'a pas un nez tout mou, un singe peut-être. Une graine. On est ok pour 6. On attaque le 7e exercice. Redressez-vous. Un titi, un gros minet, ouais, c'est ça. Mon titi, il n'est pas content ce soir. Deux exercices que vous connaissez. Défendre des squats, c'est maintenant. Voilà. Première option, tranquillement. On vient faire deux fentes alternées. Et voilà. Deux fentes alternées, un squat. Voilà, l'option un petit peu plus difficile. Fente et squat. Là, ça chauffe dans les cuisses, ça. Un singe s'accroche. Je peux l'accrocher. Vous êtes prêts, deuxième session. Là, on est content que ça dure que 20 secondes à chaque fois. Descendez le genou en direction du sol. Regardez droit devant vous, hein. Serrez les abdos. N'oubliez pas toutes les consignes. Gardez l'écartement largeur bassin entre les pieds sur les fentes. Hein. Encore. Et relâche. Dégourdis les jambes à chaque fois entre deux. Hein. Les 10 secondes servent à ça. Hein. Attention pour le petit singe. Top, c'est parti. Voilà. Même en faisant les fentes sauter, les amis, on essaie de garder le genou arrière à l'aplomb de la colonne vertébrale. Hop. Et là, ça commence à devenir dur. Hein.
J'espère que c'est le cas chez tout le monde, hein. Donnez le meilleur de vous-même pour cette session. On y retourne. En bas, squat. Allez, fixez un point devant vous pour l'équilibre. Et on envoie, hein. On ne réfléchit plus, hein. C'est vos dernières minutes avec nous, hein. Relâche. Et là, ça pique. On est à la moitié sur celui-ci. Ça commence à brûler sur les jambes. Même pas. Même pas mal. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Allez, encore. Allez, accrochez-vous tout le monde. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est dur les fonds de sauter, hein, Véronique. Accroche-toi. Si t'arrives pas à les faire sauter, fais-les en alterné comme on a fait sur la première variation. Je te montre ça tout de suite. Uh-huh. On y va pour le sixième. Go. Devant. Ramène. Devant. Ramène. Ça, c'est l'option numéro 1. Vous pouvez toujours l'envisager, hein. Vous pouvez même garder le squat sauté, mais les fentes, non. Faites ce que vous voulez du moment que vous faites quelque chose avec nous. Ah, essayez de descendre le genou. Les deux derniers, vous êtes toujours là? Allez, les amis. Petit pas de danse. Avant d'y retourner, c'est parti. Je faisais un petit pas de danse sur le côté, tranquillement. Une dernière fois. Allez, il y a encore de l'énergie sur le prochain. On est au sol, je vous promets. Go, en bas, squat. Allez, toujours. C'est les dernières secondes, hein. Essayez d'accélérer. Ici aussi, on accélère. En bas, squat. En bas, squat. Et relâche. Ok. On a validé 7 exos, il nous en reste un tout petit qui se passe au sol avec le tapis. On s'hydrate et ça va chauffer les abdos. Récupère un petit peu avant de vous allonger, hydratez-vous. Allez, vous connaissez les sit-ups, aujourd'hui on vous montre les V-up. On a les jambes en forme de V, on vient toucher les deux pointes de pied. Hop, hop, et après on a quatre obliques. Sur les obliques, c'est le coude qui vient toucher le genou opposé. On pense à bien souffler sur la montée. Notre dernier exercice, hein. Essayez de trouver des options. On va vous les montrer, hein, si ça devient dur. Et allez, on essaie de venir toucher les pointes de pied. Ici, vous pouvez soit reposer les jambes à chaque fois. Hello, Steph. Allez, accrochez-vous encore, encore. Soufflez à chaque fois sur la montée, hein, et venez croiser. On relâche. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, là, sur les abdos, voilà, ça, c'est la première variation un petit peu plus simple, là. On vient toucher une jambe après l'autre. Allez, hein. Sur chaque montée, on rentre le nombril, on serre les abdos maximum. Et c'est presque la fin, hein. Ne nous lâchez pas maintenant. On y va pour le quatrième. Go! Laura, je pense à toi. Je sais que les abdos, ça travaille fort. Je sais que ça pique. Ne nous lâche pas. Allez, tout le monde, encore, encore. Soufflez bien par la bouche. Et on est déjà à la moitié.
Salut Marvin, salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti. Voilà, toujours on est sur la première option. Une jambe après l'autre. Je te promets, je donne tout, j'espère Laura. Qu'est-ce qu'elle aime pas? Les abdos. Ah. Et go pour le sixième, il nous reste plus grand chose les amis. Encore, encore, soufflez hein. Allez chercher loin avec l'épaule sur les ciseaux. On croise épaule genou. Et jusqu'au bout. Top. Il nous en reste plus que deux. Ça va et toi Marvin? Je rentre du boulot sport ce soir, ok? Ok, récupère un petit peu tranquillement, profite de ta famille. Et ce soir tu t'y mets mon ami. Allez, c'est bien. Voilà. Allez, c'est votre dernier round. Il nous reste 20 secondes. Et tout le monde, hein? Go! Allez, les 20 dernières. On y va, on souffle, on serre les abdos, aspirez le nombril. Les consignes, toujours, hein? Encore, encore. Dernière seconde de ce lundi tabata, hein? Et relâchez, soufflez. Et on peut vous dire, bravo. Bien joué pour ce soir, bravo à vous, hein? Bravo, vous avez géré comme d'habitude. Merci. C'est super. Merci de nous suivre, merci pour vos retours dans les commentaires. Aujourd'hui, il n'y a pas de défi parce que j'ai pas envie de perdre encore, d'accord? Si vous posez la question, du coup, ça va être juste l'étirement. On y va? On change? On met une musique douce? Allez, on met une musique douce. Je vous embrasse, les amis. Prenez soin de vous. Allez, relâchez, hydratez-vous. On va pouvoir s'asseoir sur le tapis. Vous pouvez rester au sol. On est bon? Bon, voilà, j'essaie de reprendre une respiration lente. Des grandes inspirations, grandes expirations. Amenez une jambe tendue devant. On passe l'autre au-dessus. Attrapez le genou avec le bras opposé et restez à vous grandir. On relâche, on change de côté. Dites-nous vos impressions dans les commentaires, comment vous avez vécu cette séance. C'était costaud encore ce soir, hein. On a bien bossé. Et dites-nous quel petit plaisir de ce week-end vous cherchez à éliminer également, hein. On relâche. Rejoins les deux pieds, une grande inspiration, restez le buste fier et soufflez, descendez les genoux sur l'extérieur. On vient tendre une jambe à l'avant, fléchissez l'autre à l'arrière. Encore besoin d'un petit peu de souplesse sur celui-ci, soit vous passez sur les coudes, soit juste les mains, ou complètement allongé, on vient sentir l'étirement de l'avant de la cuisse, du quadriceps. Dès que vous sentez que ça tire, on est bon, on ne bouge plus. Gardez bien la tête alignée avec la colonne. On relâche. On change de côté. Et on descend tout doucement. Choisissez votre option. Faut que ça tire juste ici. On relâche. Les deux pieds devant, jambes tendues, les mains sur les cuisses, une grande inspiration. Et en soufflant, laissez glisser les mains jusqu'au niveau des pointes de pied. Regard en direction des genoux. Amenez les deux mains à l'arrière, vous pouvez repasser jambes fléchies. Et soufflez, décollez les mains des fesses. Façon jointe et le buste toujours droit. Les épaules basses, on relâche et on joint les deux mains devant, une grande inspiration. Et soufflez, enroulez le dos. Et on vient se grandir au maximum. Relâchez, passez un bras sur le côté, proche de la tête, les deux fesses au sol, on se grandit. Et on vient
pour changer de côté. Vous pouvez fléchir le coude du bras au sol. Relâchez. Passez sur les pointes de pied. Les deux mains devant les pointes. On reste les mains au sol. Une grande inspiration et en soufflant, on lève les fesses, on tend les jambes. Relâchez la tête. Fléchissez les jambes et laissez dérouler tout doucement. On enroule. Revenez avec largeur bassin au niveau des jambes. Une grande inspiration. Passez légèrement sur les pointes de pied. S'incline vers l'arrière et relâchez complètement. Laissez aller les bras. Fléchissez les genoux. Relâchez la tête. Et déroulez vertèbre après vertèbre. Revenir en position debout. Je vous félicite encore pour ce soir. Merci de nous suivre. Je vous souhaite une très bonne soirée. Reposez-vous, vous avez bien bossé, hein, on est fiers de vous. À très vite, bonne soirée.